Dans cette région un peu perdue de la France, dans cette immense forêt des Landes qui s'étend sur des milliers d'hectares, mais dont certaines parties ont été ravagées à plusieurs reprises par de sinistres incendies, la vie se déroule calmement. Comme il y a un siècle, on recueille encore soigneusement, suivant un procédé artisanal et quelque peu barbare, la résine qui coule des blessures qu'on inflige au tronc des arbres. Ces arbres, ces pins maritimes, s'échelonnent à perte de vue et ondulent légèrement sous la brise de l'océan qui n'est pas loin. L'élevage est aussi la principale ressource des habitants des quelques fermes dispersées dans les éclaircies de la forêt. À travers la Pinède, le petit train, lui aussi du siècle passé, évolue lentement, complétant cette vie ancestrale que pourtant récemment, des odeurs de pétrole ont commencé à troubler. Mais quel est ce bruit au loin? Un ouragan s'approche dans un nuage de poussière. Au milieu des éclairs, un bolide a franchi la lande dans un bruit de tonnerre. Les chemins de fer français viennent de battre encore une fois et de loin le record du monde de vitesse sur rail. Déjà, le 21 février 1954, une locomotive électrique de la SNCF, la CC7121, remorquant un train de 3 voitures, battait le record du monde entre Dijon et Beaune, atteignant la vitesse de 243 km à l'heure. Cette vitesse constituait le maximum possible avec un matériel strictement de série. Elle faisait apparaître la marge déjà considérable avec les vitesses de 130 et 140 km/h couramment pratiquées par les trains rapides sur les principales lignes de France. À la même époque, un nouveau type de locomotive électrique faisait son apparition, une BB9000. Était-elle capable des mêmes performances que la CC, détentrice du record du monde ? D'autre part, les essais de Dijon avaient montré que la parfaite qualité de la voie française permettait des vitesses plus élevées, d'où l'idée d'atteindre celle de 300 km. Les deux locomotives à mettre en compétition ont été choisies parmi celles en service. Ce sera la CC7107, sœur de la 7121, détentrice du record du monde 1954, construite par la société Alstom à 2 bogies, de chacun 3 essieux-moteurs. Et la BB9004, la nouvelle venue, construite par le groupement Le Matériel de Traction Électrique, à 2 bogies de chacun 2 essieux-moteurs seulement. Ces deux types de locomotives assurent le service des trains rapides sur Paris-Lyon, notamment du Mistral, le train le plus rapide d'Europe. Pour atteindre les vitesses envisagées, les machines avaient dû recevoir une préparation spéciale aux ateliers et chez les constructeurs. Modification des rapports d'engrenage entre les moteurs et les essieux. Adoption de roues monoblocs en acier. Remplacement des pantographes courants par des appareils spécialement étudiés et essayés au tunnel. Chaque locomotive d'essai est attelée à un train de 3 voitures. Les attelages des véhicules entre eux sont réalisés une fois pour toutes et la continuité assurée par des bandes de caoutchouc. L'arrière du train comporte un carénage aérodynamique étudié spécialement. L'ensemble forme un tout continu, une sorte de projectile de 100 mètres de longueur. Il était nécessaire de disposer d'une voie très droite pour éviter la force centrifuge qui, dans les courbes, à de pareilles vitesses, devient énorme. Une voie qui soit d'une longueur suffisamment grande pour permettre d'accélérer et puis de ralentir avant d'utiliser trop vite les freins. L'alignement droit de la ligne de Bordeaux à Dax qui s'allonge sur 46 km entre les gares de La Motte et La Bouère, à la traversée des Landes, convenait parfaitement. Il fallait aussi renforcer la caténaire et son dispositif d'alimentation pour éviter les chutes de tension. On installera donc des sous-stations mobiles supplémentaires, telles celles-ci à La Motte et cette autre en gare d'Ichoux. De plus, de tels essais ne doivent pas être seulement la fantaisie d'un jour. Des appareils d'enregistrement les plus divers sont à bord du train et à terre.
Les résultats en seront ensuite examinés à loisir dans le silence des laboratoires. Dans la première voiture du train d'essai sont installés les appareils relevant à chaque instant les caractéristiques de fonctionnement de la locomotive. Tension de la caténaire, intensité du courant capté, puissance, accélération des mouvements latéraux des bogies de la locomotive. Les opérateurs surveillant les appareils sont en communication téléphonique constante avec la cabine de conduite de la locomotive. En outre, pour assurer la sécurité, le train sera pendant les essais en liaison radio-téléphonique constante avec un poste de terre. Des antennes sont installées dans ce but sur le toit d'une voiture. À terre, à l'endroit présumé de la vitesse maximum, se situant approximativement en gare d'Ichoux, on a installé dans la voie des appareils divers. Enregistrement en trois points de la pression exercée au passage sur les rails et les traverses. Mesure des contraintes exercées dans le métal du rail par comparaison avec un morceau de rail témoin placé à proximité. Mesure du déversement et du déplacement du rail. Les appareils de contrôle dans la voie sont réunis par des batteries de câbles électriques aux appareils d'enregistrement installés dans une voiture spéciale placée sur une voie de garage. Les graphiques relevés seront examinés soigneusement dès le passage des trains d'essai par des ingénieurs qualifiés. Après chaque passage de train, on vérifiera la voie et on fera circuler une voiture spécialement équipée d'appareils mesurant au passage les caractéristiques principales de voie, dévers, écartement, ripage, etc. La vitesse sera mesurée avec précision par des pédales installées le long du rail qui seront déclenchées au passage du train. Et par des cellules photoélectriques montées sur des poteaux de caténaire. Leurs indications seront transmises à des enregistreurs placés à proximité sur l'accotement de la ligne. Une caméra automatique est installée dans la cabine de conduite de la locomotive pour filmer l'indicateur de vitesse et témoigner de l'authenticité. Tout est prêt, le grand jour est arrivé. Les deux trains d'essai ont été amenés au dépôt de Bordeaux. Là, on procède aux ultimes vérifications sur une fosse de visite et on a pris les dernières mesures de sécurité. Le lundi 28 mars 1955, le long de la ligne, on a mobilisé la gendarmerie pour surveiller les curieux aux abords des passages à niveau, dont les barrières ont été soigneusement fermées à l'avance. Au passage à niveau sans barrière, où normalement le passage est libre, les cantonniers de la voie ont installé des barrières mobiles en toile, dites accordéons, qu'ils déploient en travers de la route. Un avion de reportage va prendre l'air pour survoler la ligne. Au début de l'après-midi, dans la petite gare de Facture, un peu au sud de Bordeaux, le premier train d'essai remorqué par la CC 7107 est prêt au départ. Voici l'équipe de conduite. Monsieur Parmentier.